Welcome to the Canadian Museum of History. Before we begin, I'd like to acknowledge that the Canadian Museum of History is built on the unceded traditional territory of the Algonquin Anishinaabe. This land has held and continues to hold great historical, spiritual, and sacred significance. The museum recognizes and honors the enduring presence of the Algonquin people. This is where much of the museum's work, unseen to the public, takes place. This work involves many people, and today it's my pleasure to take you behind the scenes as we explore a curator's role in how and why an artifact becomes part of the National Collection. As a curator, acquiring objects is part of what I do. In my case, these objects are closely linked to music and expressive culture in Canada and might include anything from a musical instrument to stage clothing. The objects we collect at the museum are unique, and we don't just collect for the sake of collecting. Rather, we preserve and care for our collections in the public trust, collections that help us to better understand this place we call Canada and our histories in it. To better understand how this works, let's take a closer look at a few pieces from the popular music collection. First, what does a curator look for when considering an acquisition? For the popular music collection, we look for storied objects with ties to specific sounds, places, people, and moments. Here, for example, is a selection of stage clothing. This is Anne-Marie's tracksuit from the 1970s. It not only shows her merging of comfort and flamboyance on stage, but also points to connections we might not expect. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you. The hand-beaded suit was designed by Jewel Hallmeyer, also a costume designer on the Canadian comedy show SCTV. Oscar Peterson's tuxedo jacket connects us to the concert where he wore it. It also reminds us that live performance was a central part of his art. These sandals, along with the tunic and cape, were worn by Dino L'Espérance as lead singer for the Quebec Yé Yé band César et les Romains. They shine a light on the playful stage presence of Yé Yé musicians like Les Romains in the 1960s. In addition to specific narratives like these, we look for ties to broader social and cultural threads in Canada's history, things that can help us to learn something new or to understand something familiar in a new way. For example, we know Cree singer-songwriter Buffy Sainte-Marie as a musician, artist, and activist voice. She has also made and played mouth bows like the one that is currently on display in First Peoples Hall here at the museum. The instrument traveled with her and was stored in her guitar case between concerts. This Fender Telecaster was Lorraine Segato's primary instrument for over 30 years. It's recognizable as her guitar in the Parachute Club's Rise Up music video, but it's also more than that. Segato has described the guitar as a symbol for her as a young feminist, and it was part of popular scenes that actively engaged issues of race, gender, sexual equality, and peace. So how do we get there? To begin, we read and research. We make inquiries, we assess our existing collections, and we talk to our colleagues, like collections staff who facilitate transportation, registration, storage, and access, and conservators who ensure the long-term preservation of objects by assessing their condition, determining their storage and conservation needs, and recommending exhibition conditions. We also spend time learning directly from the people to whom an object's stories are connected. It's important to remember that the popular music collection could not exist without artists and their families caring for treasures from their creative life. The unique perspectives that only they can share make it clear that personal connections are fundamental to helping us better understand our pasts, our presents, and our futures. To get a sense of what this sounds like, let's hear from singer, actress, entrepreneur, and entertainment personality, Mitsou, Gélinas. L'inspiration du look de Bye Bye Mon Cowboy, c'est venu très simplement d'une fille avec qui j'allais au secondaire à Face, qui s'appelait Julie. Puis on était toutes en secondaire 5. Tout le monde, on s'en allait vers notre futur, tu sais. Puis certains avaient une idée plus précise, comme moi, parce que je travaillais déjà sur Bye Bye Mon Cowboy à cette époque-là. Puis j'avais une amie, Julie, très, très, très artistique. Puis souvent, elle allait fumer une cigarette dans les escaliers de l'école Face avec
deux tresses comme ça. Puis pour moi, c'était comme... Il y avait quelque chose de magique, un mix entre ce qui est enfantin puis ce qui est très féminin à la fois. J'ai vraiment piqué l'idée quand j'ai fait Bye Bye de ces deux tresses-là. Par la suite, ben c'était un melting pot de ce que j'avais chez moi à la maison. J'avais quelque chose de très précieux qui était les bottes des années 60 de ma mère, qui étaient des petites bottes noires qui montaient en haut des genoux. Après ça, j'avais dans mon garde-robe à moi, d'adolescente, une petite jupe courte, évidemment, un soutien-gorge, parce que c'était l'époque des bustiers. J'avais aussi un petit boléro. Et puis, la seule chose que j'ai achetée pour Bye Bye, mon cowboy, imagine-toi donc, et c'est ce chapeau de Henri-Henri qui a été acheté sur la rue Sainte-Catherine, que j'avais encore. Il y a eu plusieurs versions du kit de Bye Bye Mon Cowboy, évidemment, parce que j'ai fait 3 ans de spectacle avec ça. Donc ça, c'est un des boléros que j'avais fait faire par Andy Théan. Donc là, je ne l'ai pas nettoyé, mais je sais que vous, au musée, allez en prendre vraiment bien soin. C'est pour ça que je vous l'offre aussi. On peut steamer un petit peu les guirlandes quand même, là. Puis donc, un des vêtements avec certains originaux, comme le petit soutien-gorge. On a aussi besoin d'une jupe très courte, le plus court possible, pour vraiment faire l'effet Tina Turner. Puis ça peut baisser aussi très bas, donc taille basse pour montrer le nombril. El Mundo, mon premier album, est arrivé au moment où Bye Bye avait déjà eu un succès. Et on avait commencé à travailler justement cet album-là en même temps qu'on créait la chanson « Bye bye mon cowboy ». Et puis, l'imagerie de El Mundo, c'était une fille très colorée, comme une espèce de personnage de bande dessinée ou de manga maintenant, et qui faisait un tour du monde. Donc, j'avais envie d'avoir une robe colorée et d'avoir une espèce de cornet de crème glacée avec justement la planète. J'étais inspirée pour cette robe avec du velours, du satin, de Mugler un peu, mais encore une fois, j'ai demandé à Andy Théan de la créer pour moi. Donc, il y avait du velours rouge, du mauve, du jaune. Et puis, j'étais allée chercher dans des magasins à 1 $ les fruits également qu'on retrouve justement aux hanches puis à l'épaule. J'avais acheté des oiseaux aussi là pour la chevelure. Donc, c'était le début des supermodels des années 90. Puis, il y avait des photos à cette époque-là qui étaient vraiment éclatées. Puis, j'avais envie de donner quelque chose comme ça. C'est de la pure folie. C'est ça dont on avait besoin pour lancer cet album. Alors, c'est hallucinant de voir que quelque chose qui est devenu, qui fait partie un petit peu de la mythologie de la chanson québécoise, ben ça venait du garde-robe d'une adolescente de 17 ans. Puis d'un artefact comme les bottes de ma mère des années 60 qu'elle avait gardées. Puis je suis tellement contente que ma mère ait gardé autant de vêtements parce que j'en ai beaucoup porté. Puis j'ai fait la même chose avec mes filles aussi. Donc, je voulais garder des costumes pour elles. Puis en même temps, c'est drôle parce qu'elles sont plus grandes maintenant, elles ne peuvent plus les porter. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je laisse ça dans un garde-robe mal entretenu pour des vêtements qui vont vieillir, évidemment, là, qui ont déjà 35 ans de vie, ou est-ce que je vous les offre? Donc, pour le Musée canadien de l'histoire, puis à un moment donné, ben ce choix-là, ben il est devenu évident. Même si ça me fait un petit quelque chose quand même. It is important to carefully document and contextualize each new acquisition so that it can be as meaningful to people in 100 years as it is to us now. This involves paperwork, creating inventories and writing proposals that provide descriptive details while also getting at bigger questions, like how an object expands our existing collections, or how it is meaningful to people and communities. If the acquisition is approved by the museum's collections committee, it will then find its new home at the museum.